Cette semaine à Rodent, on se déplace en Estrie, plus précisément dans la sympathique municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour la chasse aux chevreuils avec notre super expert Nicolas Baillargeon de Chou.ca. Nicolas, salut. C'est toujours un plaisir à chaque fois que je viens ici. Je me sens un peu comme chez nous, c'est ça qui est le fun. Qu'est-ce qu'on va vivre cette semaine chez vous? Là? On va vivre une chasse au chevreuil. Oui. Chasse au chevreuil à Pas-de-Noir. On est dans la zone 6-Sud. C'est quoi la zone 6-Sud? Il y a quelque chose de spécial dans ouais. 6-Sud. Il y a le projet expérimental du RTLB. OK. Donc, le RTLB, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'abattre les mâles qui ont moins de 3 pointes d'un côté. Ce qui fait que ça augmente considérablement le nombre de mâles. Vois-tu un changement depuis 3 ans par rapport à tout ça? Absolument. Là, on voit beaucoup plus de jeunes mâles. On voit des bachelors de 7-8 mâles souvent. C'est du régulier. Donc oui, on voit la différence. Pour les chasseurs de cornes, là, c'est une excellente nouvelle. On va recevoir aussi un jeune, Alexandre Picard. Il a 13 ans. C'est un maniaque de pêche, un maniaque d'oiseaux migrateurs. Puis, on va l'intégrer à la chasse à la poudre noire au cerf de Virginie. On est un gros groupe. On est toujours 3-4 qui se déplacent. Pour le chevreuil, c'est tout un défi là, de recevoir oui. une gang comme ça, quand même. J'aperçois beaucoup de mouvements sur mes photos. Donc, le pré-rut s'en vient, ça commence à délimiter les territoires. Il y a des nouveaux chevreuils qui apparaissent. On parle de combien de caméras en forêt présentement que tu utilises? 120, 130. 120, 130 caméras présentement, ça fait que ça nous donne quand même un bon aperçu de ce qui se passe autour. Mais c'est pas à cause que 120 ou 130 caméras que la chasse est garantie, là. Du tout, parce que les caméras, ça nous montre ce qui s'est passé hier. Oui! Mais demain, on sait pas. Demain, on sait pas. Allez, allons voir ça. J'ai hâte. Yes! Faut s'attendre que le chevreuil va arriver de ce côté-là, probablement. Il peut traverser le champ d'un côté ou l'autre, mais le tir va se faire carrément à notre droite. Ce qui est le fun de cette petite caméra-là, c'est la Link Micro de SpyPoint. Si vous avez vu l'antenne, ça m'envoie en temps réel les photos de détection. On vient rafraîchir le site. J'ai décidé de diminuer le site pour créer un achalandage, une demande. On va espérer que nos sujets se présentent à bonne heure. Tout le monde de la zone 6 apporte aux carottes et aux pommes. Moi, j'apporte à mouler. C'est plus protéiné. Les chevreuils, une fois qu'ils sont habitués, ils sont beaucoup plus réguliers. Puis c'est différent du tas du voisin. Donc, s'ils veulent du maïs, il faut qu'ils viennent chez nous. On a un camouflage parfait dans la grange. Je pense que ça va offrir une belle opportunité à notre jeune. On est en terrain dégagé. Là, on s'en va rencontrer le petit Alexandre. J'aimerais ça qu'on le fasse tirer. Bien important. Parce que là, c'est un fusil à poudre noire qu'il ne connaît pas du tout. J'aimerais ça qu'il soit à l'aise avec ça pour que demain matin, quand la bête va arriver, qu'il puisse faire un tir parfait et propre. Si on est à la chasse, si la pensée positive. La pensée positive. Hein, on y va. Alexandre, salut, t'es content? Ouais. Hey, moi, je suis content de te connaître. Oui, depuis que je suis tout jeune, je fais de la chasse avec mon père, avec mes frères. La personne qui m'a appris à chasser, c'est mon père. Quand j'étais jeune, on a fait du chevreuil, de l'oie blanche, de l'ours. Puis ça, ça a vraiment resté ma passion depuis que je suis tout jeune, dans le fond. Là, ce qu'on va faire, Alexandre, c'est qu'on va aller prendre mon fusil à poudre noire. On va te faire tirer comme il faut pour s'assurer que ton ciblage est parfait. Parce que demain matin, on se lève tôt. Il y a 4 gros bocs dans ce coin-là. On va essayer d'aller les récolter. L'important, c'est 3 capsules. 3 capsules parce que ça, c'est un super manium. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre la bourre et le boulet par la suite. Tout est inclus maintenant. Pousse ça là. Puis on pousse. On met l'amorce ici. C'est l'élément déclencheur. On pèse, on crinque et on tire, tout simplement. Ce télescope-là, il appelle ça un high relief.
entre ton œil et la vue, c'est très loin. C'est impossible qu'il te cogne dans le front. Alexandre, tout est prêt, l'amorce est dedans. Ouais. Là, tu as un fusil magnum dans les mains. Ça cognera pas plus qu'un ton fusil 12 quand tu es habitué aux oiseaux migrateurs. Tire pas sur la gâchette. Appuie doucement, ça va partir tout seul. Accote bien ton dos, puis vide tes poumons d'air avant de tirer. Fait que ça va contracter ta cage thoracique. Tu vas garder une certaine stabilité. Il est prêt à tirer, faites attention! Wow! Ton gauche-droite est très bon. La hauteur, c'est correct parce que là, on était proche. Monsieur Nicolas, est prêt? Oui. C'est bon. L'important, c'est souvent en dessous des bras, les aisselles. C'est là qu'on transpire le plus. Alexandre, premier matin de chasse. On s'est levé de bonne heure un peu. Faut traverser deux champs avant d'arriver à notre champ, nous autres. On est prêts, puis on y va. On y va. Le vital, là, faut pas que tu tires en arrière de la patte. Tu suis la patte en plein milieu, là. En plein milieu de la patte. T'as traite là. Parfait. OK, bon. Femelle ce matin avec une dizaine de dindons qui sont dans le haut du champ. La femelle est très très nerveuse. Il s'agit d'avoir des cornes à ce temps. Ce matin, ben on a vu deux femelles quand même avec une quinzaine de dindons. L'important dans la chasse au chevreuil, c'est de toujours garder la même routine pour pas que le chevreuil ait de doute. Avec la routine, c'est que normalement vers 10-11 heures, Nicolas vient avec le 4 roues nourrir le chevreuil. Fait que là, il va faire la même routine. Et quand il va arriver, là, nous autres, on va sortir. Faut pas créer de doute dans la tête du chevreuil, c'est ça l'important. Mais c'est un bon test, je trouve. Le premier matin, il y a la deuxième femelle qui est un petit peu plus nerveuse, mais on voit qu'elle nous a pas vu. Il n'y a rien eu d'odeur qui l'a énervée. Au chevreuil, il y a quatre, là. C'est tough un peu, là. Les odeurs, puis le bruit, puis le caméraman. Mais là, je pense qu'on est prêt. On revient cet après-midi. Ce matin, on a eu du fun, mais il manquait des cornes.
bonheur cet après-midi. Il fait beau soleil. Demain, il annonce un peu plus mauvais. On est doublement plus près qu'un matin parce que là, on connaît notre environnement. Fait que là, l'important, ça va être de super se camoufler. Parce que là, le visage que t'as là, pis moi, ils vont nous voir de loin. Fait que là, on met nos face masks. T'es prêt? Yes! Mais il n'est pas légal. Il y a 4 points seulement. 2 chaque bord. Mais c'est pas grave. C'est un bon signe. Bouge pas. Bouge même pas ta tête, Alex. Il est pas trop nerveux. Il est environ à 30 mètres de nous. Le gros bug devrait suivre en arrière. On va être patient. On va l'avoir. Il y a un gros qui s'en vient. Tu l'as pogné? Oui, oh, tu l'as pogné. Moi, je pense qu'il sera mort. Alexandre! 6h05, le gros Waypoint arrive. À grand coup. À la grande course, il rentre. Une chance qu'il est arrivé à la course. Ben oui, parce que le crime, parce, c'est ça noir. Parce que là, on était à sa limite de la caméra pour filmer et tout ça. Alexandre, il a fait un bon tir. Oui. On l'a vu, ça allait pas bien. Là. Non, 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 il basculait, il basculait. Il est rendu sur le bord du bois. Ça monte l'adrénaline, hein? Cool. T'aimais ça? Oui, ben oui. On va se préparer comme il faut, puis on va aller chercher ce beau boc-là. Yes. Finalement, après plusieurs heures de recherche, on n'a pas eu le choix de contacter André Rouet de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec pour nous aider à trouver notre bête. Rien que l'adrénaline, quand on pousse en arrière de ça, là, même s'il est pratiquement mort, là, il se relève puis il peut courir un demi-kilomètre. Il a fait un petit rond, il a fait un petit rond de même, puis il est rentré là, là. Hey, gars, ça, le beau boc, un beau 8 pointes! Oh. Es-tu content, mon homme? Tu fais les yeux! Tu fais les yeux! Oh, c'est ton plus beau chevreuil à vie? Ah, oh, oui, oui, de loin. Hey, ça n'a pas été long, là. 10 minutes, même pas 5 minutes dans une fois qu'il est rentré dans le bois. Puis regardez la belle bête qu'il a trouvée. Hey, c'est beau, mon chien, c'est beau, mon gros chien. Très content. Wow. Félicitations, Alexandre. La patience nous a récompensés. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, la grosse majorité des chasseurs qui font pas. Ils partent trop vite, puis ils lèvent les animaux, puis après ça, on les retrouve pas. Toute une équipe, shoot.ca, yes. André des chiens de sang du Québec, puis le champion du monde, yes. Alexandre. C'est vous, Alexandre? C'est bon, Alex. Yes. Là, c'est officiel. Félicitations, mon homme. Félicitations, Nicolas.
est en train de préparer la tente, notre camouflage. On est vraiment bien situé. On est sur le dessus d'une petite montagne. Puis notre site d'appâtage est complètement à l'autre bout là-bas. C'est important d'appâter sur le dessus de la petite montagne parce qu'il faut voir le panache. Si on appâte trop bas, bien on n'aura pas l'angle de vue pour voir les cornes. Exactement. Fait que si on est dans le bas de la montagne, on n'a pas le contre-jour. Quand ils sont sur le dessus, bien, tu as le ciel qui est en arrière. Ça te donne beaucoup plus de luminosité. Ça fait que c'est beaucoup plus facile à voir. Je vais rajouter mon arme secrète, le Deer Attract de Extreme CG. C'est la pacane. C'est très odoriférant. Puis on met ça alentour. On peut faire des petits tours un peu partout. Ça sent vraiment bon. On est prêt. Je pense qu'on va rester ici le reste de la semaine pour surveiller ce site d'appâtage-là qui est exceptionnel. On va se croiser droit. On est prêt. Le reste de notre périple a été un peu plus difficile. On n'a rien vu pendant 4 jours. On a essayé différentes caches, différents territoires, différentes techniques, mais aucun chevreuil à l'horizon. La dernière journée, j'ai prêté ma caméra à Nicolas et son ami Philippe pour maximiser nos chances. Contre toute attente, dans les dernières minutes de chasse, les gars ont eu une belle surprise. Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner le chevreuil. On a un délicieux faux filet et on va le cuisiner avec des noisettes et des pleurotes. La première étape, on va prendre notre viande, on va l'assaisonner un peu. Fleur de sel, un bon coup de poivre. On a une poêle bien chaude. Ce que je vous conseillerais pour la cuisson, vu que c'est une viande qui ne contient pas beaucoup de gras, on va la cuire doucement, on va la rôtir un maximum de médium saignant. Après ça, c'est important de bien la laisser reposer. Pour la sauce, on a mis un trait d'huile d'olive. On va ajouter des échalotes émincées. On va ajouter un petit peu d'ail. Nos pleurotes, qu'on va tout simplement défaire en morceaux. Un truc que j'aime bien avec le chevreuil, c'est d'ajouter un trait d'un bon vinaigre de framboise. Pour la bière, on est sur un produit qui est assez versatile. On peut y aller avec une bière rousse, une bière blonde, une bière brune vont être excellentes aussi. Avec la noisette, le champignon, c'est vraiment excellent. Maintenant, on va s'ajouter un peu de fond de veau. Ensuite, on va y aller avec un peu de crème, une bonne cuillère à soupe. Pendant que notre sauce mijote arrive à consistance, on va ajouter une pointe de moutarde de Dijon. Et nos noisettes du Québec que j'ai ramassées dans une noisetière, on ajoute ça à la sauce. Sel et poivre. C'est consistant, c'est onctueux. Maintenant, on dresse. On nappe de sauce. On ajoute un peu tout autour de l'assiette. Moment de vérité. Tout est là. Le chevreuil, le champignon, la noisette, quand on croque dedans, il y a une explosion. Ça va bien. La bière aussi est présente. Il y a du gros plaisir à avoir avec ça. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voix Maltée. Dernière journée, 20 minutes de la fin.
C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Là. Hey les gars, je veux le voir. Fait qu'on prend les CF Moto, on monte voir ça. Wouh! Hey Phil! Wow! Tabarouette! As-tu vu le beau 6 points? Wow! Hey, j'ai une super conclusion. C'est ce beau boc-là de Philippe. Après 5 jours de chasse intensive... Philippe, je suis content de te voir à la face. T'as des beaux yeux, me semble. T'as des yeux plus sombres aujourd'hui un petit peu. C'est pas mal tranquille depuis quelques jours, mais là, je suis plus que ravi. Tu sais, ça n'a juste pas de sens. Réussir à récolter ce beau mâle-là à 20 minutes avant la fin de la fermeture, pour moi, ça conclut vraiment une belle saison. Quelle belle expérience. Félicitations, mon Phil. Yes. Félicitations à tout le monde. Merci. Yes, sir! La chasse, c'est une histoire de famille. Là. Mon père, lorsque j'étais jeune, avait un élevage de cerfs de Virginie. Donc, écoute, en arrière de la maison, chez nous, il y avait une centaine de cerfs. Ça va faire bientôt 8 ans que je suis dans le domaine de la chasse. J'ai la chance de vivre et de revivre l'émotion jour après jour. Là. C'est un peu pour revivre cette émotion-là. Plusieurs fois par année. J'ai passé une fin de semaine miraculeuse ici chez shoot.ca. J'ai réussi à récolter mon boc, un beau 8 points. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. La relève, c'est la clé du succès. C'est le futur de la chasse. On encourage Rodent beaucoup la relève. Alexandre, je te dis félicitations. Bien, merci. Continue dans ta démarche. Continue à être passionné. On le voit dans tes yeux que tu aimes ça. On le voit que tu tripes. J'ai trouvé Alexandre tellement mature. Calme, méthodique. Il était à son affaire, le petit gars. C'est le fun que ça allait bien fonctionner, notre chasse avec lui, là, parce qu'il a vraiment travaillé fort pour récolter son gibier. Quand j'ai trouvé le chevreuil, ça, c'est un des plus beaux moments que j'ai eu de ma vie. J'étais vraiment content de chasser avec quelqu'un comme Mario. Puis c'est une très belle expérience que j'ai vécue avec lui. Avec Mario Yacht, je travaille jamais. J'ai vraiment une belle complicité avec Mario. Puis, je veux dire, nous autres, notre mot d'ordre, c'est comme ça. Hein. Tant qu'il me fait rire, on travaille ensemble. Puis, c'est tout un chasseur. Écoute, je suis choyé de côtoyer des gens comme ça. Là. Quand tu voudras revenir à la chasse, tu m'appelles, puis on va s'organiser d'autres types de chasse, puis on va triper ensemble. Ça va-tu passer à la télévision? Oui. André Roy de l'OCCSQ. Beaucoup, beaucoup de plaisir avec Mario. Yeah. OK, Mario, on va prendre le 20$.